Une chaleur écrasante et une Europe qui suffoque. En France, après plusieurs jours d'extrême chaleur et des températures records, le mercure a commencé à redescendre ce vendredi. Jamais, depuis plus d'un demi-siècle, de telles températures n'avaient été observées. Au plus fort de cet épisode caniculaire, Patrick Gallois, prévisionniste à Météo France, présage le pire pour les jours à venir. Remonter du sud-ouest vers le nord, et on pourrait atteindre les 40 degrés à Lille, ce qui n'a jamais été observé dans la région lilloise. Et on les dépassera certainement à Paris, donc en battant sans doute un record qui date de 1947. Dans ces temps d'extrême canicule, les plages et les endroits frais sont particulièrement prisés. De Paris à Rome, en passant par Berlin, les scènes sont les mêmes. Des populations non habituées à de telles chaleurs se ruent vers des lieux plus cléments. Un rafraîchissement non sans risque à l'image de la ville de Bonn, la plus chaude d'Allemagne avec plus de 38,7 degrés où les noyades seraient à l'origine de la mort de plus de 3 personnes. Une fréquence climatique qui ne risque pas de chuter, les météorologues prévoient une aggravation de la situation dans les années à venir.